effectivement, certaines personnes rejettent les textes du Coran, de la Sunna, ici en l'occurrence on parle de la Sunna en particulier, parce que cette Sunna, ou cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou son acte, est contraire à la raison, soi-disant. Ces gens-là, qui sont-ils? De manière générale, on a déjà évoqué ces gens-là, ces gens qui font prévaloir la raison. C'est quoi? Ahlul Kalam. On a dit, la traduction la plus proche, la meilleure est les gens de la scolastique. Revenez au terme pour ceux qui ne sont pas revenus dans un dictionnaire. Les gens de la scolastique qui sont Ahlul Kalam, Al-Mutakallimoun, les gens de la scolastique. On a dit que la science de l'Kalam, pour résumer, qu'est-ce que la science de l'Kalam, Damien Fadal? C'est affirmer les croyances religieuses par sa raison. Arsène, affirmer les croyances religieuses par la raison, de manière générale. Al-Kalam, la science de l'Kalam, comme on dit Ahlul Kalam, Al-Mutakallimoun, les gens de la scolastique, c'est le fait d'affirmer les croyances religieuses par la raison. Et comment affirment les gens de la sunna les croyances religieuses? Hein? Par les textes. Le Coran ou la sunna. Barakallahu fikum. Ici donc, échir de dire, certaines personnes exagèrent dans l'utilisation de la raison. C'est-à-dire qu'ils ont tellement donné une place importante à la raison qu'ils l'ont fait prévaloir, la raison ici est l'aql, qu'ils l'ont fait prévaloir sur les textes de la révélation. Et ils disent, je ne prends pas ce texte-là car il est contraire à sa raison, à lui, qu'ils ne disent pas contraire à la raison. Ta raison à toi, si elle est pervertie, ce n'est pas notre problème, mais elle est contraire à sa raison. Comme par exemple, les gens de l'innovation ont rejeté par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith se trouve dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Donc c'est un hadith qui est authentique sans aucun doute, où il dit, dans le sens de ses paroles, sallallahu alayhi wa sallam, et selon les différentes versions, lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il ne l'enlève pas directement, mais plutôt qu'il la plonge entièrement, puis qu'il l'enlève. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la raison. Car il y a sur l'une de ses ailes la maladie, et sur l'autre, le remède à cette maladie. Les gens de la raison, les gens de la scolastique, donc qui donnent une place à la raison qui ne lui convient pas, qu'elle ne mérite pas, on dit, pour certains d'entre eux, je ne prends pas ce hadith car ce hadith, ma raison ne l'accepte pas. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui sont loin de nous. Mohamed El-Ghazali, ou Mohamed El-Ghazali, qui est quelqu'un qui est élevé par l'Ikhwan, Mohamed El-Ghazali, ou El-Ghazali, qui est élevé par l'Ikhwan, un Égyptien. Donc, ces gens-là, qui sont des gens qui ne sont pas des gens très anciens. Cheikh Al-Albani, il vivait donc à notre époque, Al-Ghazali. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, plusieurs réfutations de cette personne. Et c'est quelqu'un qui était élevé, comme Al-Qardawi et autres parmi ces gens-là de l'innovation, par l'Ikhwan. Cette personne qui dit clairement dans ses livres, et autre que cela parmi les égarements, mais parmi ces égarements où il donna cette place à la raison qui ne lui convient pas, il dit, ce hadith-là, je ne le prends pas, il est dans le Bukhari, je ne le prends pas parce que ma raison ne l'accepte pas. Allahu Akbar.